Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo live de découverte de nouvelles et probablement dernier Open Dev d'Endless Donjon. On est avec Damned et Dacus, si vous voulez dire bonjour à la VOD. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors Endless Donjon, on l'a déjà vu sur la chaîne, hein, dans les différentes Open Dev. Là, on est sur celle qui s'appelle Final Rodeo pour tester vraiment le mode coop censé être totalement fonctionnel. On va voir ce que ça donne. On remercie Amplitude, hein, qui nous a fourni les clés totalement spontanément, un énorme merci à eux. Ouais, tout à fait, tout à fait. Très sympa, ouais. Ah bah déjà la dernière Open Dev, Canton, après ça veut dire que le jeu va sortir, normalement, après, donc si tout va bien. Ouais, alors si j'ai bien compris, et c'est ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que visiblement ils vont passer par une bêta. Ouais, ils ont l'air de prévoir une bêta, mais le jeu est quand même censé sortir cet été. Alors, c'est vrai que c'est pas trop dans leur habitude, après leur... enfin, avec leur système d'open dev, mais... on va voir ce qu'ils prévoient. Ouais, on verra bien. On devrait être de la partie, normalement, pour la suite. Ouais, on sera de la partie, normalement. C'est triste pour un donjon sans fin. Bah... En fait, Endless, c'est le nom de la race dans Amplitude. Les Endless, oui. C'est pas vraiment ouais, Endless au sens sans fin. Exactement. Alors on n'en sait pas grand chose d'eux, hein, c'est pour ça qu'ils ont été nommés comme ça, mais c'est une race en fait qui a disparu. Qui a disparu c'est derrière ça. Elle en laissant plein de technologies bizarres. Qui visiblement ils avaient conquis l'intégralité de la galaxie. C'est ça. Alors ce que je vais faire vite fait, si tu me permets, vas-y, je t'en vais donner les 2-3 nouveautés de cette Open Dev, vu que pour ceux qui ont suivi depuis la première et la deuxième. Il y a la petite fiche qui s'affiche. Ah, t'as la petite fiche qui s'affiche, d'accord. Eh bah oui, effectivement, on y est. Alors donc dans les petites nouveautés, on a effectivement le jeu en français, vous pouvez le voir, et puis je pense que vous le verrez de toute façon encore plus après, et ça c'est déjà bien. Le mode solo coop, bah ça c'était déjà dispo, mais normalement le coop est amélioré. On a un héros en moins qui s'appelle Zed, c'était la nana là, avec les gros... des grosses épaulières orange, mais on a un nouveau héros, Comrade, que j'ai par défaut, mais enfin on verra qui l'aura en partie. On a un nouveau district aussi, le Astral Arbor, on verra bien de quoi il s'agit. Il y a des nouveaux éléments de méta-progression, donc dans le saloon, hein, on va pouvoir notamment améliorer nos armes, etc. Donc on avait déjà vu dans le deuxième Open Dev des petites améliorations aussi, voilà, avec des plans, mais c'était très buggé, mais c'était bon pour dire, voilà, on va ajouter ça, on pouvait débloquer des petites boissons aussi pour avoir des boosts. Ouais, ils ont continué à améliorer et je pense qu'ils veulent faire un petit hub améliorable. Je montre un petit peu ça. Oui, vas-y. Ouais, tu peux montrer, ouais. Y aura également un nouvel événement qui va faire son apparition. On va voir si on tombera dessus ou pas pendant les runs. Il y aura parfois des terminaux de science dans le donjon. Ils donneront des ressources, mais à partir du moment où on en trouvera deux, il y aura des pannes d'électricité qui arriveront aléatoirement, plongeant toute la totalité du niveau dans le noir et rendant les tourelles inutiles. Ça, je suis pressé. Ouais, et il faudra donc hack les terminaux pour pouvoir remettre l'électricité en marche. Du coup, Dacus là doit être en train d'avaler bien fort dans sa gorge en mode. Ouais. Le jeu était pas assez difficile apparemment. Non, ouais, voilà, c'est ça. Ils se sont dit, on en rajoute. Et enfin, pour finir, la dernière grosse nouveauté, il y a un nouveau boss qui s'appelle le Shell Diver. Il est à trouver, voilà, on ne donne pas plus d'informations. Et voilà. Voilà, donc on a la petite carte de ce qui est a priori disponible dans cette Open Dev. On commence au port astral. Ensuite on peut se déplacer vers la colonie de travail, puis l'incubateur, puis le noyau. C'est ça, et tu vois par exemple je vois à gauche là un tout petit nouveau personnage, il te parle et il te dit si tu trouves des souvenirs de la station, ramène-les moi, je t'en dirai plus. J'imagine que c'est pour développer un peu le lore, je suppose. Voilà, des petits trucs comme ça. Et visiblement, hein, si on regarde la carte, il y a des choses à ramasser dedans, 3 cinématiques, 0 clé, une recette pour le café, 13 ouais, plans. Tout à fait. Donc il y a moyen que ce soit fonctionnel cette fois. Alors évidemment, Canton... On est parti à zéro hein, pour les profils. Ah et salut Sobeka, bienvenue sur le live. Ah ça commence avant 16h, on n'a pas encore vraiment commencé. On était chaud, on était tous là, on s'est dit allez hop, on va démarrer le live. Bienvenue sur le live, ça fait plaisir de te voir. Alors, il nous resterait 3 minutes à tenir en papotant. A priori, il y a aussi le système de clé hein, qui permettrait de débloquer des choses. Et on dit merci à Edroda, bienvenue à tous les qui nous lancent un raid, bienvenue à tous les viewers d'Edroda. Edroda, merci beaucoup et pour merci le raid, ça ce fait petit plaisir. C'est gentil.
Vous arrivez bien, on allait justement commencer, là. Papoter un petit peu pour parler des nouveautés de cette version. L'open dev, la dernière open dev de Endless Donjon d'Amplitude. Vous étiez sur quoi, Dreda? Ouais, même pas dire, hein, parce que... Les jeux qu'elle faisait il y a un moment et ceux de maintenant, ça a dû changer. Ouais, bah voilà, donc ça a pas tant changé en fait. Ah bah, oui, j'allais dire PUBG, c'est non, sûr non. qu'il est indémodable, mais il est plus trop récent. Non. Alors ça va être un petit peu... Enfin, il va y avoir de l'action, mais ça va pas être la même action, je pense. Non, mais il va y en avoir quand même. Écoutez, on peut se lancer si vous voulez, du coup. Bah, vu que c'est toi qui as la vue, alors tu connaissais pas les autres persos, mais pour ceux qui vont regarder ta vue, parce que du coup ce n'est pas moi qui stream celui-là, je t'invite à prendre Camarade. Camarade. Ouais, je vais prendre Camarade. Donc Camarade, a priori, qui est un personnage qui a l'air d'avoir un double gun, qui est relativement équilibré. C'est ça. Alors, c'est pareil, tu vois qu'il est bon en astuce. Je sais pas. En tout cas, les deux premières open dev, l'astuce n'était pas disponible en jeu. On verra ce que ça donne. Si dans celle-là, bah écoute, lui, il a un passif où je peux donner des coups sur les terminaux de recherche et les générateurs de ressources pour les réparer. Donc peut-être que ouais, ça aura un lien. Je ne sais pas encore. Et visiblement, je joue un peu avec des tourelles. Hein. Je peux faire apparaître une tourelle temporaire et je peux transformer mon arme en tourelle aussi. Ouais, d'accord, ok. Je vois. Et salut, Mister 6686. J'espère que ça va bien. Bienvenue sur le live. Tu veux prendre quelqu'un en particulier, Dacus? Tu t'en fous? Je m'en fous un peu. Alors, est-ce que vous pouvez prendre le même que moi? Non. Non. Okay. C'est unique. C'est unique. Non, je crois pas. Oui, c'est unique, oui, pardon. Ouais. Ah oui, je peux pas mettre prêt, je peux le sélectionner, mais ouais. Non. Moi, tu peux voir ce qu'il fait, mais... je prends Bunker. Ok, donc on va voir notre tank et Dacus qui sera notre sniper DPS. C'est l'idée. Je sais pas si je pourrais réparer les tourelles en tapant dessus quand il y aura plus de courant. Mais je suis pas pressé de le découvrir. De toute façon, attendez-vous à avoir de l'échec, hein. Ouais, c'est clair. Allez, c'est parti. Alors oui, Edreda et ses viewers, effectivement, on est trois sur cette découverte avec Damned et Dacus. Ouais. Alors je te rassure, Edreda, depuis qu'on s'était parlé, qu'on devait nous donner un coup de main pour le Twitch notamment, je fais mon premier live depuis la dernière fois où on a parlé. Et depuis la dernière fois où on a échangé, c'est la première fois que je reviens. Tu peux demander confirmation, je suis absent sur la chaîne totalement depuis un mois et demi. Voilà. Donc, tu nous as manqué. Coucou. Oh, c'est gentil. Ça m'a fait plaisir d'être là quand même. Alors, on peut contrôler un autre héros, mais ça, j'imagine que c'est valable que en solo. Alors, qu'est-ce que j'ai avec lui? C'était ma compétence. J'ai quand même un... Alors, on a plus la grosse mitraillette de la dame avec ses grosses épaules, mais... on compense un peu. C'est ça. Ouais, donc moi, c'est pareil, c'est l'occasion de revoir un peu... Et je peux déployer une tourelle comme ça, ok, très bien. Donc, a l'air d'avoir une jauge de vie. Ah, en restant appuyé sur espace, on a un truc rapide, ok. C'est quoi ça? Confirmer le déplacement du robot, non. Ok. C'est quoi le truc rapide? Attention. Ah oui, suis-moi, Crystal. Confirmer. On a des petits émotes. Yes. Ah oui, d'accord, ok. Alors, il y a un truc vocal dans le jeu que j'ai désactivé du coup, vu qu'on est sur Discord. Mais il y a un truc vocal dans le jeu qui permet de discuter, et donc j'imagine que les émotes doivent permettre d'interagir. Alors on n'a pas encore de bot, mais on a moi qui est capable de faire des copier-coller. Non mais le bot ça va venir. Mais ouais, on va on va se faire un petit truc à l'occasion avec Edreda, où on va regarder si on a des conseils, et puis voilà, on va se débrouiller, mais on va essayer de faire un truc bien. Bon, on s'ouvre une porte en haut pour commencer. Ouais, allez go. Hein? Ils auraient bien rajouté les voix aussi, non? J'ai l'impression qu'il y a des voix, ouais. Alors, ouais, on peut installer un générateur ici. De l'industrie à l'instant, je dirais. Oui, c'est pas à l'instant, c'est totalement... C'est archivalisé. Au début, c'est mieux, ouais. Au début, c'est mieux. J'ouvre la porte. Ok, pour l'instant... Et là, il y a un... Non, oui, c'est bon. Il y avait quelqu'un, mais il est plus. Là, ça, c'est une zone d'invasion, du coup. Ouais, c'est ça. Si, et ça t'indique ce que ça va faire spawn. Ah, c'est bien, ça le disait pas, ça, avant. Et tu le vois même sur la mini-carte, ça te fait un... Ouais, il y a un petit point... Truc, ouais. Et les couleurs sont différentes selon les types de monstres. C'est des robots, a priori. Ah, c'est pour toi, Dacus. Je pense qu'il est pour toi, Dacus, le flingue, ouais. Ouais. Ah oui, on retrouve complètement la patte d'amplitude sur le jeu, ce Becker.
Ah oui, oui, oui. D'accord. Entre les icônes, entre la musique, la patte. Ouh, t'as un lance-flamme. Ouais, non, c'est clair. Un coup par coup. Je mettrais bien quelques petites. Il y a plus rien par là, mais ouais, 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 il va falloir défendre. Ah, pour parce l'instant, que... on a que des tourelles de base. Ok, donc je vais mettre deux tourelles de base ici, de pouvoir s'éloigner un peu. Et j'en profite pour revérifier 2-3 trucs. Je sais pas si je peux aller voir si. Clavier souris. Parce que, rappel, je ne sais plus quelle est la touche par défaut, mais oubliez pas, parce que ça c'est hyper utile, qu'il y a une touche qui permet de se re-téléporter immédiatement au cristal. Ah, on va taper sur Alt chez moi. Moi c'est Alt aussi. Ok, c'est Alt, pareil, très bien. Non, parce que c'est très utile quand on est un petit peu loin. Ouais, quand c'est un petit peu la merde, ça fait oh le cristal est attaqué. Allez, j'ouvre une porte. C'est quoi ça, attends? C'est ma tourelle. Ah, c'est ta tour ça? C'est ma petite d'accord, tourelle, ok. Ouais. Je me disais qu'elle te ressemblait en version. Ouais, ouais, un peu c'est, punk, ma... Là. C'est ma too well. Ok, vas-y. Ok, donc là on va pouvoir mettre quelque chose encore. Il y a des ennemis! Ok, alors je tire vite, mais par contre le DPS est pas idéal. Distributeur de kits de soins. Ok, on peut avoir des kits de soins supplémentaires ici si on le souhaite. Il y a encore une zone d'invasion. Je me tâte à remettre un générateur d'industrie quand même. Ouais, si. On va bien se gaver au début, faut se gaver en industrie. Et là, sachant qu'on la garde. On la garde plus maintenant. Il y a une autre, vague, une autre zone. Une vague. Je me téléporte, je vais à l'autre zone moi. Ok. Ok, bon, on va tenir ici du coup. Vu que je suis moins efficace et qu'il y a des tourelles là-haut. Bon, il y en aura aussi, mais bon, c'est vrai qu'il y a des trucs. Non, pas de dégâts. Pas de dégâts alliés, ce serait ingérable. Ah ouais, ouais. Non, le tir fratricide, j'avoue, ça serait long. Non, ingérable, ce serait pas possible dans ce jeu. Bon, si jamais c'est la merde, tu cries, Damned. Ouais, ouais, pour le moment, tout va bien. Il y a une petite ombre juste avant qu'ils apparaissent, ça c'est cool. Du DPS, mais ça se passe, okay. Ça se passe. Parfait. C'est bien, ouais, je viens. Vague terminée. J'ai été soigné après la vague. Ouais, on a eu un petit soin, ouais. Mais pas complet. Ouais. Moi, il me reste encore un. Ouais, non, un petit mais il y avait pas ça avant, si. Je crois pas. C'est peut-être un truc qu'ils ont rajouté. Bah, je sais plus, ça me parle pas. En fait. Faut dire que le jeu est tellement punitif que. Ouais, voilà. Pourquoi mute Damned? Qu'est-ce que j'ai fait? Je parle trop fort. Possible, hein, j'ai un micro, un autre micro, si c'est l'arrache. Ouais, non, si c'est trop fort les trucs, n'hésitez pas à me le dire. Hein. J'ajusterai les sons, mais chez moi alors, ça m'a l'air bien. 25%. Il y a tous les héros dans la même pièce. Ben ouais, prenez-le vous, au cas où que des fois je sois séparé de vous. Mais... Alors, vous avez un appareil, on peut s'équiper que d'un seul appareil à la fois. Ok, bah jusqu'ici, très bien. Où est-ce que je vois mes appareils? Sûrement en appuyant sur échappe. Échappe, ouais, c'est échappe. C'est échappe. Ah oui, c'est échappe. Alors du coup. On peut voir aussi nous hein, du coup ce que tu as. J'ai le mentor martial, ok, il est là, très bien. J'ai pas de puce, j'ai pas d'amélioration, parfait. Alors en plus normalement il faut qu'on traîne pas parce que si on traîne trop, les vagues arrivent. Hein. C'est le problème de celui-là, contrairement à Dungeon of the Endless, pardon. Je proposerais d'ouvrir la dernière porte qui est juste à côté du cristal, si c'est comme dans Dungeon of the Endless, on peut. Ah mais ça a pas fait disparaître mon autre tourelle, c'est-à-dire que je peux poser autant de tourelles que je veux. Bah ou alors ça la dépop quand tu vas en poser une autre. Bah justement non, j'en ai posé une autre lors de la vague juste à côté des... Ah, un petit terminal de recherche. Alors on peut mettre quoi? Une confitourelle, effet sur les monstres, réduit la vitesse de déplacement, c'est pas mal. Vas-y, tu sais quoi, regarde le toit, c'est vrai que c'est toi. Je suis tellement habitué à... Je vais regarder. Attends, j'arrive pas à fermer. Ouais, ça y est. Alors, on a... La tourelle acide, la confitourelle, j'aime bien le principe de la confitourelle qui ralentit les ennemis. Ouais, c'est très très bien ça. Et le diagnostiqueur répare de manière continue les autres tourelles dans la salle. Vague. Bah écoutez, je vais lancer la tourelle, la confitourelle. Après, t'inquiète, c'est la première partie, t'y as jamais joué, on prend un peu le temps, c'est pas grave. Les prochaines, après en général, tu accélères plus. Ah, t'es là, Damned, du coup. Attends, je vais filer un coup. Ah oui, c'est ça qu'elle a level up celle-là. Il y a deux zones en bas et on n'a pas fait de tourelle du coup sur le bas. Putain. Deux. Oula. Ça passe. C'est un peu chaud là. Là je peux pas tenir, je tiens pas. Je ne peux pas tenir, ça arrive. Nous c'est chaud aussi.
Il y a un gros là, ils sont trop résistants pour mon flingue. Beaucoup trop résistants pour mon flingue. Et j'avoue. J'ai mis mon pouvoir. Oh la vache, c'est déjà la merde quoi. Ah mais j'ai mis mon pouvoir, ça va aider un peu mais... Ils détruisent le générateur, bah ils détruisent le générateur, écoutez, hein, c'est comme ça. Spécial, il est vraiment pas ouf hein. Bah écoutez, on a débloqué la confiturelle comme ça. Ouais. J'espère que vous êtes heureux de le savoir. Ah du coup, ah oui, c'est vrai, le générateur, quand il est pété quoi. Après, et Katox te fait remarquer que t'as... Katox te fait remarquer que t'as un 0 sur 2 à côté de ton... C'est vrai, dans le symbole tourelle, donc on peut mettre deux tourelles, ouais, sans doute. Ah, et maintenant on peut remplacer pour... Ah, on peut remplacer les tourelles construites par d'autres. Ouais, on peut remplacer les tourelles construites par d'autres, j'ai vu ça dans le tuto, ouais. Est-ce que ça nous rembourse les... Non, mais par contre ça coûte qu'un de changer, un d'industrie. Ah. Ça va, c'est quand même assez rentable. Alors, une autre recherche... Attire les monstres proches. Alors, attention, hein, les recherches c'est les recherches qui déclenchent les vagues. Hein. Ah oui, mener une recherche déclenchera une vague. Ok, très bien. On va peut-être pas le faire. Ouais. Tout de suite. Ah, peut-être pour ça que c'était la merde. On avait une vague plus la recherche. Ouais, et puis la vague était plus. Non, je pense qu'on s'est pris une vague, mais une vague plus puissante. En fait. Ouais. Peut-être. Parce qu'il y avait déjà des plus gros quand même. Hein. Allez. Vas-y, la meute, c'est chaud. On ouvre. Ouais, chaud. On va dire. Il y a d'avoir de l'ennemi un peu plus loin. Ok, il y en a un petit. Ça aussi, ça change, on commence direct sur les robots alors qu'avant les robots étaient au niveau 2. Ouais, le niveau était pas tout à fait pareil, il me semble. Hein. Non, ouais, mais c'est bien, ça change un peu. Ok, bon, bah pour le moment, on est pas trop mal par ici. On ouvre là. Y'a une porte là ? Ouais, y'a une porte. Ah, ok, j'ai pas vu, allez-y. Ah, y'a la porte verte. Ah. Déjà c'est pas mal. Donc ça veut dire qu'on pourrait faire venir le cristal là. Mais on est d'accord qu'on nettoie un peu avant. Hein. Ouais bah genre c'te... Ouais je sais pas si on ouvre cette porte là ou pas. Je on sais peut pas. Ouvrir, allons-y. Hein. Ah on a gagné de la dust. Ouais en détruisant le décor tu peux ramasser des trucs des fois. Ouais et la dust permet d'éclairer une salle qui ne pourrait pas l'être je crois. Allez arme ouais. Je gère en haut. Non tu y vas d'accord. Okay. Non non c'est bon allez-y bah je vais essayer de me débrouiller. Je ne sais pas où. Là-bas, on va dire. Vu qu'ils sont ralentis. Ouais. Alors, visiblement, le 0 sur 2, ça doit pas être ça parce que ça ne me donne rien en fait. Enfin, j'ai lancé mes tourelles là et. Ah, c'est bizarre. Ah, ouais, d'accord. Parce que pourtant, Dacus, ça correspond bien à son pouvoir poser des mines. Son icône de posage de mines. Bah, là, j'en ai posé 2 et j'étais toujours à 0 sur 2. Ah, ouais. Ah, c'est quoi ce truc hyper costaud là? Alors mon ultime en fait ça fait que je me pose sur une grosse tourelle et je one shot les mobs avec quoi. Ah ouais rien que ça. Et ça va bien Edroda, merci beaucoup. Et effectivement je peux réparer les trucs en mettant un coup dessus avec le clic droit là. Ouais. Je peux réparer les tourelles et tout comme ça. Et toi, ça va bien Hydroda d'ailleurs au passage. Je crois que j'avais là où je suis, vous pouvez dépenser de la nourriture pour level up votre perso. Ah oui, t'es en interaction Ouais. Ah la vache, ça veut dire que ce truc là, déjà qu'on est pressé par le temps, en plus on peut être que une personne à la fois à interagir avec quoi. Ah ouais, c'est affreux. Hein. Voilà, j'ai level up. On va améliorer le camarade tourelle. Améliorer la cadence. Un d'esprit au héros pour tous les monstres, allons, testons ça. Ah joli. Ah c'est commun la nourriture ou pas? J'ai même pas posé la question. Ouais c'est commun. Ouais c'est commun. Ah ouais. Merde bah du coup désolé Dacus, j'ai du tout consommé. Ok. Tu feras le taf. Moi je te regarderai. Ah top 1 PUBG, pas mal. GG. Ouais. Tu veux ouvrir là Damned je sens. Bah écoute, allez. Un marchand. Alors le marchand, bah il faut de la nourriture du coup. Donc, Ah. Alors fais gaffe hein, quand tu pètes les trucs au corps à corps parce qu'elles te font mal hein, les petits réservoirs explosifs. Bah ouais, il me semblait qu'avant nous faisait pas mal justement. Mais maintenant j'ai l'impression que oui. Oups.
Ah dommage, j'avais une arme de poing qui était tellement bien pour moi là. Bah écoute, on va essayer de trouver un endroit où poser de la nourriture. À plus 2, sachant qu'on arrive à la fin du niveau, ça va être compliqué là. Est-ce qu'on se lancerait pas une petite recherche avant de partir? Il y a une recherche de bouclier. Ah bon? Qui augmente les défenses des héros, du robot cristal, des tourelles, des générateurs et des terminaux de recherche dans la même salle. Ouais, moi je sens qu'on va y passer, mais c'était joueur. Allez, je l'ai lancé comme ça. C'est pas moi qui ai lancé la vague. Hein. La vague a démarré juste avant que je lance la recherche. Bon, vous criez si jamais c'est la merde de votre côté. N'oubliez pas qu'on peut améliorer les tourelles ou clignotes en doré en donnant un coup de clic droit de corps à corps. Bande de chiens capitalistes. Ok, c'est la merde de mon côté. Eh bah, je vous l'avais dit. Et moi aussi, c'est la merde. Je vous l'avais dit. D'accord, non mais c'est intéressant de savoir comment ça se gère. J'ai pas réussi à me soigner en fait. J'avais pas vu que pour soigner, il faut appuyer sur F. C'est pas instantané. Ah, non. Et tant que t'as des kits de soins, c'est-à-dire que t'en as pas beaucoup hein, dans le jeu. Alors, je vais bientôt mourir, je pense. Ok, donc là, je suis mort. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? On peut 13, je crois, ou je sais plus. Ok, je reviens à la vie quand la vague est terminée. Très bien. Voilà, on est bien là hein. Ouais, on est bien. Bah, je pense qu'on est bien, ouais. Non, on est pas bien. Bien, je sais pas, quand je vole la santé du cristal. Non, pas trop, en vrai. Alors, tu dis qu'on peut monter de niveau les tourelles? Si elle clignote en doré avec un coup de corps à corps, oui. Ok. Et de mémoire, elles ont qu'une seule upgrade. Alors, peut-être que ça a changé, ça. Ouais, je pense. Non, je crois qu'elle. Ah bon, ouais, peut-être, je sais plus. Bon, bah, on ouvre une porte. Ouais. Hein? Ouais, ouais. En vrai, il faudrait surtout foncer à la sortie, mais bon, on va prendre le temps. Il n'est pas là pour glander. Non. Ah. Non, mais non. Non. Il y a un truc à lire. T'as pas fait ça? T'as pas cliqué direct comme un bourrin? T'as pas fait ça? Ok. Très bien. Il clique. Et bah, moi, je découvre, hein. Alors, en fait, t'envoies le robot. Doit aller extraire ça, c'est bien parce qu'après ça nous permet de l'upgrade une fois qu'il l'aura extrait. Par contre, c'est vague en continu jusqu'à ce qu'il l'ait extrait et qu'il soit revenu à sa position. Ok, très bien. Après, au point où on en est, hein. Au moins tu découvres. Voilà. Oui, on a un petit rip sur le chat, c'est pas impossible, hein. Ah ouais, non, mais là par contre, moi je me suis fait buter à cause du tuto qui m'a empêché de faire quoi que ce soit, enfin que j'appuie sur E quoi. On va jamais arriver à sortir de cette zone. Franchement, ça passait pourtant vu les ennemis là. Allez. Mais bon, faut qu'il arrive à sortir et vu ce qui arrive en continu. Ah oui, non, la pop-up de tuto qui m'empêche de tirer, de me soigner et tout, j'avoue que ça fait pas plaisir. Ouais, je l'ai eu aussi, ouais. Regardez, ça passe large. Ouais. Dacus, fais gaffe, il te suit, hein. Il s'arrête si tu t'arrêtes. Ah oui, c'est moi qui suis, putain, oui. Faut me connecter. Voilà. Faut lui dire d'aller se connecter. Bon, on va l'avoir réussi, mais on va pas aller bien plus loin. Mais si. Oh là là. Aïe. Pardon, je me grattais. Voilà. Faut pas se gratter dans ce jeu. Faut pas se gratter dans ce jeu. Ah, j'ai carrément disparu quoi. J'ai carrément disparu. Ah ouais. Sérieux. Ah, t'es. Ah ouais, d'accord. Ah si, c'est bon. Au revoir, je suis revenu. Clique sur le. Alors, du coup, vu que t'as fait ça, va jusqu'au bout. Clique sur le cristal et tu peux l'améliorer. Grâce alors, à ça. C'est votre menu d'amélioration, inaccessible que lorsque le robot est connecté. Ok, très bien. Alors, 20% de dégâts neutres au robot du cristal. Quoi, il peut faire des dégâts le... Bah apparemment, du coup il peut pas de base, mais du coup je pense qu'il peut une fois que t'as mis amélioration. Mais honnêtement, le but c'est qu'il se fasse pas taper, alors bon... Ouais. Bah là, on peut donner une unité de nourriture pour chaque porte ouverte, ça me paraît pas mal. Oui, c'est un bonus, oui, c'est vrai, ouais, un petit upgrade, voilà. C'est bien. Bon bah on a plus qu'à essayer de se barrer. J'ai l'impression qu'on se donne des coups aux tourelles, même si elles sont pas améliorées, ça les booste temporairement parce qu'elles deviennent toutes brillantes. C'est possible. C'est bien possible, ouais. Fais voir. Ouais, c'est possible que ça les fasse un petit boost, ouais. Bon alors vous êtes pas sûr hein. Donnez-nous un signe, bah le signe là, ouais, bah. Oh non, si, on est bien. Oui.
Bah, je pense que je suis le seul à pas avoir joué du tout au jeu. Donc, bon. Bah oui, non, mais c'est pas grave. Pour une première partie, ça va. On est là pour se marrer. Hein. Il y avait d'autres trucs à ramasser, ouais. Non ? Non, même pas. Ah si, il y avait un truc à lire, là. Non, bah... On a transféré une mégatonne de matériaux au moins d'une minute. Bon, évidemment, ouais. L'anomalie gravitationnelle nous a bien aidé. Vous êtes prêts ? Yep. Let's go ! Tu fais quoi ? Tu veux venir le cristal, c'est ça ? Ah bah, la porte, ouais, qu'on essaye au moins de sortir de là. Alors, je suis pas très confiant, hein, mais bon... Surtout avec mon flingue de merde. Pour le moment ça va. Bah, ils arrivent en masse quand même là. Tant que juste aller devant. Avec la super tourelle là. Allez petit robot. Oh, ça va, tranquille. Mais ouais, je vous avais dit, c'est large. Oui, c'est dommage qu'on ait pas juste plus de PV pour la suite, mais bon... Oh là là, t'es jamais content. C'est vrai. Mais j'en viens après un mois et demi, c'est pas pour être... hein. Oh. Moi, si c'est ça, je m'en vais. Hein. J'ai pas vu pour souffrir, ok. Le mec, il joue Endless Donjon, c'est pas pour souffrir. Mais c'est pas enfermé dehors, sinon c'est la mort. C'est vrai. Ouais, ouais, non, reste pas dehors, ouais, parce que ça, c'est... Y'en a qui ont essayé. Ok, on a des petites stats maintenant entre les Alors, on n'a pas le cristal indemne et on a perdu des héros. Bravo. Félicitations. Ouais. Pièces, soldes, d'accord. Ah oui, si on fait un bon score, on gagne des pièces en bonus. Il doit nous servir, j'imagine, dans le hub. Ok. Ouais, bah, là, non. On est en négatif, je crois. Ça ressemblait aux petites vis du hub, ouais. D'accord, bah ok, c'est bon à savoir. Ah, de toute façon, ça va être un jeu d'optimisation. Je remets un petit peu d'industrie ou un peu de bouffe peut-être. Tu peux parce qu'on repart à zéro maintenant à chaque entre chaque niveau donc. Ok, c'est parti. C'est quoi la grosse porte rouge? On doit trouver un interrupteur. Tu peux pas, il faut. Okay. Ouais, faut trouver un interrupteur pour l'ouvrir. On ouvre en haut. Vas-y. Et je trouve qu'ils ont un peu amélioré quand même l'interface au niveau. T'as plus d'infos facilement, je trouve. Ouais. Tu sens qu'on approche d'une version plus finale du jeu quoi. Ah bah ça y est, on a les petits aliens maintenant. Donc ouais, là un ça pistolet. Va être des... Et alors a priori ils ont des résistances et tout différentes quoi. Genre les robots sont faibles face à l'électricité mais eux sont faibles face au poison. Ouais, t'as des trucs comme ça normalement. Mais ici on peut vraiment mettre Non, ils ont une faiblesse, ils ont une affinité alimentaire ouais, au poison et une faiblesse au feu. Ah ça te le met quand tu t'approches. OK, faiblesse au feu, très bien. Écoute, ça j'ai envie de dire ça tombe bien, on a Dacus qui est plutôt équipé. Mais bon, après voilà, je tire. J'ai pas un DPS grosse, rapide. Ouais, grosse cadence de tir, ouais, on avait remarqué. Bah, je fais très mal, mais ouais. ça c'est quoi? Connecter le robot. Tiens, pour ça mettre, quoi, ça pour générer de la nourriture, vu le symbole. Ah ouais? Elle est sympa cette salle. Ah oui, là, non, il faut, pour déverrouiller cette porte, connecter le robot de cristal à un emplacement d'une pièce adjacente. Ok, donc. Genre là? Ah oui, il faut l'amener ici pour ouvrir les portes, c'est vrai, c'est les portes jaunes. On amène jaunes. Le robot là ouais. pour ouvrir. Ouais. Mais je sais pas pourquoi il y a un symbole de bouffe du coup. Je vois pas de symbole de bouffe moi. Bah moi j'ai un symbole de bouffe dessus. Tu veux voir? Ah ouais, je viens de voir sur ton... Je l'ai pas moi. Bizarre. Pareil, j'ai pas de symbole de bouffe, ouais, ça doit être un bug. Ouais, peut-être un petit bug, ouais. Après on peut le faire maintenant, sachant qu'il y a qu'une salle de vague. Qui est là. Ouais, c'est peut-être le meilleur moment, ouais. Bah je vais y aller, je vais y aller. On met peut-être une petite tourelle ou deux. Ah bah, comme ça. Et bah je l'envoie quand même. Hein. Si je peux. Ouais c'est bon, je l'envoie. Quitte à se prendre la vague. Hein. Voilà, j'ai mis quelques tourelles, vite fait. Je pose les miennes. Il va le robot ou il va pas? J'ai l'impression qu'il bouge pas son cul. Ou alors il veut pas parce qu'il y a une vague, je sais pas. C'est possible qu'il bouge pas quand il y a une vague pour éviter... Ouais, parce que je lui ai dit, je lui ai pourtant envie d'y aller. Hein. Si, il bouge son cul, hein, c'est bon. Ah bon, ça y est? Ah bah je l'avais pas vu alors. Attention, je sors la tourelle. Non mais là en vrai c'est tranquille puisque vu la zone où ils sont... Ils ont cassé ma tourelle, je la répare.
mais t'es mal en point de vie par contre, toi, le signe. Bah ouais, c'est parce que j'étais mort là, je me suis pas soigné encore. Donc. Et ouais. Et voilà. Et là, ouais, bizarrement, on gagne pas du tout de point de vie. Je sais pas pourquoi t'as, on a gagné un peu de vie. Je crois qu'il a. Ah non, ouais, je sais pas. Ah, il y avait non, peut-être un raison. Truc. Ouais, il y avait quelque chose. Bon bah, allez, hein. C'est parti. Allons. On a un bâtiment de recherche. Ah merde. Non, j'ai pas eu de dégâts. Hein. Il me semblait bien que ça faisait pas de dégâts, ça. Bon, on pourrait, hein, en soi, hein, parce que toujours petite salle, quoi. Ouais, on a pas. Mais. Ouais, on peut pas améliorer les tourelles existantes, en fait. C'est que des nouveaux trucs qu'on découvre. Ah ouais, bah ça, après, c'est à la chance. Sinon, faut reset, quoi. On a. Tourelle explosive fait apparaître un réservoir explosif à une fréquence égale à la cadence de tir de la tourelle. Mais wow. c'est pas le même symbole, on dirait peut-être justement ça c'est une amélioration, mais c'est pas marqué de quoi. Si t'as un doute et que tu veux quand même voir si on peut améliorer des trucs existants, tu peux claquer un peu pour réinitialiser. Hein. Non mais enfin là je sais pas si tu vois sur mon écran, mais au milieu là il y a vraiment une nouvelle tourelle. Ouais. Mais ouais, sur les côtés, soit c'est un truc utilisable une fois. Soit ça améliore cadeau surprise. Une tourelle. Ça paraît un réservoir explosif à une fréquence égale à la cadence de tir de la tourelle. What? Ouais. Bah, je comprends pas ce que c'est. Mais si tu veux tester, vas-y, ouais, c'est l'occasion. Hein. Je comprends pas ce que c'est, mais. Oula. J'arrive. Il y en a un qui s'est échappé. C'est bon, je l'ai géré. Par contre, il y a un petit truc qui me gêne. C'est que même quand les ennemis sont morts, leur barre de vie reste pendant quelques secondes. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je l'avais tué l'autre, mais j'ai cru que non. Et je pense ouais. Qu'il... Il y a une petite latence, quoi. Ouais, une latence où ils peuvent être ressuscités, peut-être. Ouais, je sais pas. Peut-être un truc qu'on ne maîtrise pas. Alors, c'est quoi ce machin là qu'on a eu? Parce que. Pas tout compris. Non, bah c'est un. Ok. C'est une tourelle. C'est une tourelle, je pense que l'icône est buggée, parce qu'il s'appelle turret explosif. Ouais, turret ouais. Explosif pote, mais c'est une tourelle en fait. Et fais voir le skin, je vais le construire. Bah, uh-huh. Tourelle explosif, ça tient, vu son truc, elle doit faire des ondes d'explosion, un truc du style. Mais c'est-à-dire qu'elle serait utilisable qu'une fois en fait, elle explose quoi en fait. Bah, peut-être, ou alors elle explose. Comme c'est marqué à. Selon la fréquence de tir. C'est bon, on a l'info. Elle revient. Non, elle revient. Non, mais je pense que c'est. Il parle de la fréquence de tir, donc je pense qu'elle doit revenir régulièrement. Ok. C'est particulier. Sinon, on peut refaire une fois et faire la confitourelle niveau 2. Ah bah ça c'est pas mal ça. Allez, let's go. Comme ça, on va peut-être pouvoir voir à quoi ressemble cette tourelle. Ouais, alors je vais m'en éloigner quand même. Ouais, bah ça. Voilà, elle explose et boum. Et boum quoi. Alors tu mets ça juste à côté du nid, c'est le top. Hein. Encore mieux que la confiture, elle tombe. Ouais. Parce qu'il y a un petit temps d'explosion quand même. Mais ça va, le temps qu'elle traverse la zone, ça fait le top. Bon bah voilà. Et au niveau du nid, là, il y en a deux. Attends. Il y a un truc qu'on peut mettre là, mais. Là, il y a un petit spot là. Petite tourelle explosive juste dans la zone du nid. Ouais, c'est bien. C'est bien, je suis d'accord. Ça me va. Alors. Peut-être ouvrir quelques portes. Je vais choisir rouges, d'amener. On peut pas. Bah, la petite là, allez. Nous avons un mandat. Ah oui. Et c'est le personnage qui parle, d'accord. Le warrant. Ok, ça c'est pour améliorer. Donc, le. Confirme, tu prends pas de dégâts. Voilà. Ah et oui, et là du coup, mon nombre de tourelles est bien 2 sur 2 d'ailleurs. Tiens, ça s'est débloqué. C'est pour améliorer les héros. Si t'as pas pris d'Acus la dernière fois, si tu veux prendre un truc, vas-y. Ah ouais, j'ai regardé au moins ce que j'ai. Ouais, vas-y. Coup de foudre, ajouter une affinité. Bon, moi j'ai pris un truc qui donne de l'esprit, mais. Vas-y, voilà. On va ouvrir en fait, parce que tant qu'à faire, autant avancer, vu que dans ce jeu, faut pas rester trop. C'est vrai que ça donne pas. Vous voyez, dans une pièce sombre, il y a mon. Ouais, tu peux claquer de la brume, on en a 3. On va le faire, hein, parce qu'il y a un générateur. Tu fais C. Vas-y. Il faut rester appuyé pour tout. Nickel. Industrie quand même. Mets une tourelle explosive juste dans le spot là. Un ralentisseur derrière. Ouais. Hop. Bim. Un coffre. Ah, ça nous donne des petits. C'est des clés de quartier. Il y en a une pour chacun normalement. Clés de quartier, nice. Ah, on a plus d'industrie par contre là.
On ouvre là ? On peut, ça nous fera une salle gratuite après. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Refaire quelque chose, on a pas assez... Je vais mettre de la bouffe. Ouais, la bouffe c'est bien. Peut-être faire qu'on pense à rajouter de la science, à un moment donné. Ouais, est-ce qu'on a fait des tourelles là-haut ? Ouais, ok. Quelques-unes, on va m'occuper d'en bas. Okay. Ah bah non, bah vous y êtes allé, bah je vais m'occuper d'en haut du coup. Ouais, j'y vais en haut, moi je vais voir un petit peu à quoi ressemblent les trucs explosifs, ce que ça va faire de bien ou pas bien. Ouais, en fait, les ennemis l'ignorent totalement. Ah bah pas moi. Par contre, moi c'est bien, je peux tirer dessus, en fait. Moi ils m'ignorent pas totalement, tellement qu'ils m'ont carrément défoncé la tronche quoi. Non, je parle de la tourelle explosive, ils s'en foutent, mais en fait... Oh putain, y'en a un qui est passé là. Oh le bâtard. Ah non, il vient pas sur le... D'accord. Y'a un gros qui arrive vers vous. Ah oh, putain. Vers moi, je suis tout seul en fait. C'est peut-être la fin. Ouais, c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Bon, en même temps, on avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein. Ouais. Essayez de construire plus de tourelles. Alors en fait, ils s'en foutaient de la tourelle explosive que vous t'avez mis vraiment devant leur spot. C'était à moi d'arriver à tirer dessus pour la faire péter au milieu d'eux en fait. Mais comme il y a trop d'ennemis, t'y arrives pas. Elle explose pas toute seule ? Bah si, mais sauf qu'en fait ils l'ignorent eux. Y en a aucun qui était intéressé par elle donc. Ouais, mais le temps qu'il passe, il explosait pas un peu ? Faut qu'il l'attaque. Fallait que je l'attaque, mais il y avait trop d'ennemis, j'arrivais pas à l'attaquer en fait. Y avait trop d'ennemis devant, je pouvais pas la toucher. Celle qui était à la porte, j'avais l'impression qu'elle pétait, elle pétait toute seule en fait. Et ben. Ouais, non. Je pense qu'on tirait dessus en fait. Alors, voilà ce que j'appelle une chasse au trésor réussie. Laissez-moi jeter un coup d'œil à cette clé. Ouais. Ok. Ça nous a débloqué le jardin de piété. D'accord. Certainement. Bah si, c'est apparu sur la carte juste à côté d'elle là. Ah oui. Et ça s'appelait bien la clé du gardien du jardin de piété, effectivement. Très bien. Par contre, bah nous on a même pas terminé le port quoi. Non, mais en même temps, parce que là, tu découvrais aussi le jeu sur certains trucs, c'est normal. Hein. On a quand même 54 pièces. Voilà, on a réussi succès, vous êtes mort, exactement. Bon, mais du coup, on peut aller. Oui, bah évidemment. Ah, il y a un nouveau truc ici, qui avait pas. Il y a Fonge. Et si vous pouviez aller au jardin de piété, j'adorerais venir avec vous. Là, on a débloqué un nouveau perso. Il y a le médecin de peste là qui nous demande de venir au. Ah, on peut démarrer au jardin de piété ici en fait. Ouais. C'est une zone de départ. Est-ce qu'on peut le prendre ? Non, on peut pas le prendre. Hein. Non, on dirait pas. Bon, vas-y, je garde bunker pour le moment. Allez, c'est parti. On est pas là pour glander de toute façon. Non, on est là pour crever. Mince. Oups. Je m'en vais. Franchement, c'est passé comme une lettre à la poste. Quoi. Oui, à peu près. Tout ça parce que Damien il a pas réussi à arrêter le monstre. C'est pas faux. J'assume, j'ai pas réussi. Ah, une seule porte. Très bien. Personne ? Déception. Allez, un petit peu d'industrie. Si, il y a des gens derrière là. Ok, ici on a une vague, là il y a un truc à lire. Alors, le jardin, tout le monde me demande de travailler et de produire, mais moi, je veux vivre et synergiser. En descendant au jardin dont tout le monde parle, ma vie a changé, du vent qui vient briser ce gris si froid des arbres et des plantes. Ces cascades si exaltantes. S'il y a un arbre, il y a de la vie est arbre et un arbre est vie. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors par contre, du coup, il faut réussir à interagir avec la tourelle à côté, on a de nouveau que le tireur de base. Ça sera toujours ça. Ah bah oui, hein. C'est maximum 3 joueurs en même temps, oui, tout à fait. Oui. Dungeon of the Endless, c'était 4 joueurs maxi, ou un qui dirige les 4. Et là, bah, c'est 3, donc 3 joueurs, ou un qui dirige les 3, ou 2 qui dirige 2 et 1, bref. Après, c'est pas impossible qu'on puisse jouer à 4 plus tard, hein, mais pour l'instant, c'est 3. C'est ça, il y a de la recherche si vous voulez. Je mets quelques tourelles, et puis pourquoi pas, il y a quoi d'intéressant ? Ouais. Bah, il y a la confitourelle, l'amplificateur qui augmente l'efficacité des héros. Et les dégâts des héros du robot et des tourelles aussi, ça augmente tout. Amplificateur c'est pas mal aussi. Amplificateur ouais, pourquoi pas. Parce que là typiquement, dans cette zone là, ça a chier là. Les emplacements de tourelles là. Oh la vache, ils sont énervés.
Ouais, Dacus il prend cher direct. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y a des tireurs là. Il y a un peu, mais. Il y a des saloperies qui tirent. C'est bon, je la gère de mon côté. On répare. Y'a plus rien de mon côté. C'est bon. On a eu un petit soin là. A déjà upgrade une tourelle. Pas mal. Alors pourquoi on a un soin des fois et d'autres fois non? Je sais pas, y'a peut-être une condition ou. Bah je sais pas. Allez, joue. Ouais, honnêtement, je sais pas. Même pas peur, je vais tout seul. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un générateur. On refait un petit peu d'industrie peut-être, hein. Mm-hmm. Donc là je vais mettre un amplificateur dans la première salle là pour améliorer les tourelles. Non, tu peux plus. Si je peux. Ah bah non, je ne peux plus. Non, bah vas-y, je te laisse ouvrir une salle et je vous rejoins. Il y avait pile poil ce qu'il fallait pour construire. Ok, c'est une petite salle. C'est fait. Ça. Ah oui, il faut éclairer la salle. J'éclaire la salle. Et on peut remettre un générateur, peut-être un peu de nourriture. Ouais, nourriture serait peut-être pas mal. C'est parti. Faire les upgrades à un moment donné. J'arrive à trouver de la nourriture au jardin. Je peux dormir sur les arbres et les gens m'apportent des vêtements. Je me sens bien ici. More lessons in oui. Doubtless. Here come the workers. Ah, une grande salle. Avec un emplacement pour amener le robot. Ouais. Et cette fois, c'est marrant. Moi, j'ai un. Cette fois, j'ai un symbole de science dessus. Bon bah. Il y a peut-être un truc que je peux faire moi. Je vais à la salle du début. Hein. Ah, quelqu'un l'a activé direct. Ok. Oh bah oui, on y va. Non, il y a peut-être quelque chose que on peut faire genre. Bon, ça marche. Tiens, pas mal l'amplificateur. Hein. Il est parti où lui? Il est lui. Les gros, je sais plus ce qu'ils visent. Ceux qui roulent là. Ouais, ceux qui roulent. Je sais pas. Il a chargé là où il y avait rien. Donc. Et c'est pas le cristal, ça c'est sûr, il s'en fout. Non, c'est pas le cristal. Attaque sur un générateur, mais qu'est-ce que... Ouais, qu'est-ce ouais, bah je... Fais ce que je peux. J'y vais. Pas trop de DPS, donc... Je me répare. Non mais c'est le fait de voir des symboles, c'est peut-être juste moi. Hein. Peut-être que moi je peux faire quelque chose sur le... Bah je sais pas, franchement là... Si j'essaie d'interagir avec... Idée. Par là on va avoir une salle gratos. Non, ça a disparu, mais par contre quand je me suis approché il y a une petite boule de science qui est venue vers moi. Donc peut-être un okay. Quelconque bonus. Ah, y a encore un peu de bouffe hein, parce que voilà. C'est vrai que j'ai pas regardé, on aurait presque pu refaire une recherche de science puisqu'on est au début. Qu'est-ce qu'on a les... On peut faire direct les tourelles de niveau 2. Ah bah les tourelles de base là. Ouais, oh, bah, on direct au niveau 2 ouais. Allez c'est parti. Profitons-en avant qu'on ouvre d'autres points de spot. Bon, déjà, il y a deux tourelles niveau 2 là-haut, donc ça va être plus simple. Même si elles vont peut-être prendre cher les tourelles aussi, je sais pas. Va des rétro, serviteur de l'impérialisme. On peut soigner les tourelles qui sont détruites, hein. Vous donnez un coup de clic droit si vous y arrivez, et ça les soigne en fait. On peut les soigner en fait. En cours de combat. Ah, donc il n'y a pas que moi qui peux le faire du coup. Effectivement, si elle est à fond en vie et que vous donnez un coup, ça la booste temporairement. Bon, on s'en sort pas mal là, non? Ouais, pour l'instant, ça va. Ouais. Est-ce qu'on peut en refaire une du coup? Je regarde parce qu'autant en profiter. On peut améliorer l'amplificateur au niveau 2, ça pourra commencer à faire des salles sympas. Ouais, je suis d'accord. Allez, on est reparti! Bah non, mais au début, faut en profiter un peu parce que. Quand je me prends un coup, il est quand même assez moche. Hein. Ça va vous calmer ici. Tu t'en sors d'Amned? Ouais, c'est bon. Ah, j'ai pas vu le lumière. C'est bon, non, en fait. T'étais en train de canner. Mais non, mais j'ai pas vu qu'il reste un ennemi derrière moi. Mais sinon, oh, ça va aller, ça va aller. Bah, moi j'ai dû me soigner un coup. J'ai pas fait encore. Genre... Bon, bah, on est pas mal là. Ouais. Enfin, on va pouvoir commencer à faire des salles sympas. Il y a une petite porte à ouvrir là si on veut. Ça est gratos. Voilà, bah les deux. Ça est gratos. Et puis celle-là, oui, on va y aller. Hein. Ah. Il y a un coffre. Ah.
Une zone et de la de lecture, vague. Vas-y. Ah, oh, je vais te faire la lecture si tu veux. Les deux. Alors, comment on peut savoir... de poche, quoi. Est-ce que c'est pour qui, du coup? Armes lourdes. Qui fait les armes lourdes? Bah, ça a l'air d'être pour moi. Ouf. Ah oui. Ah, j'ai raté un truc, je crois. Tu l'as vu passer, là? Alors... Ouais, j'ai dit, oublie pas qu'avec la molette, tu peux re-switcher entre tes armes. Ouais, parce que par contre, le temps de rechargement, il est waouh, quoi. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Ah, du coup, à lire, c'était... Non, c'était quoi? De plus en plus de gens viennent trouver la paix. Il y a un filon de brume, intéressant. Et on suit que le jardin était proche de Dieu. Et c'est pour ça que tout y poussait si bien. C'est pour générer des trucs, je crois, non? Ah oui, c'est pour les soins. C'est pour générer des trucs. Si, si tu veux t'en faire un, le signe, vas-y. Hein. Ouais, je vais m'en faire un. J'hésite presque à me soigner. Ah! Ouais, okay. Toi aussi, ouais, t'as besoin de soin, mon petit. Ouais, je pense que je vais me soigner. Allez, ça, c'est pour. Et en régénérer un. Ouais, je vais en régénérer un quand même. Les dégâts d'attaque du. Ouais. Ouais. Écoutez, je vais prendre ça, je vous laisse prendre un autre. Je pense qu'on peut en prendre un de chacun à 10 normalement. Ouais. Ah oui, ajoute 40% de points de vie. Ouais, je vais prendre. Et ça me soigne en plus. Bon bah. Si j'avais su. Et un petit amplificateur, ça va faire du bien. Je retourne au début. Ok. Ah, enfin, c'est plus tout à fait au début parce que c'est vrai que maintenant le cristal est avancé, mais. Je gère en haut, tu gères en bas, Dacus? Allez. Il y en a une intermédiaire qu'on peut pas gérer. Bah, je vais essayer. Ouais, je sais pas comment. Ouais. On va voir si ça passe, en se posant la question. T'inquiète pas. Ouais. Je pense qu'avec mes camarades tourelles, je dois probablement être celui qui peut mieux gérer. Du gros nombre en tout cas. J'ai dit que je retournais au début, mais du coup, je suis pas retourné vraiment au début. Je suis dans la salle intermédiaire. Reviens là! Reviens! T'en as un qui arrive sur le cristal? Il a pas fait trop mal, ça va. Ouais, j'ai dû m'en aller, il y avait le truc en haut maintenant. Parti. C'est en haut, ils sont en train de péter le générateur. Ça devrait le faire. Ok, lui s'éclate là-haut là. Bon, c'est bon ici? C'est-à-dire qu'il est où le dernier? C'est en bas apparemment. En bas ouais, ils sont occupés en bas. Bim. Ok, bon ben... Voilà. Bon. Il reste que la porte verte hein. Celle-là même ouais. Ouais, let's go. J'ai posé un petit amplificateur dans cette salle, ça pourrait nous servir. Un marchand. Oh, il y a un marchand. Un marchand. C'est de la bouffe. Oh là là, il a que des armes lourdes. Je te laisse regarder. Ouais, alors parfois, pas trop me repousser quand même. Alors, armes lourdes, fraternifoudre. Hein. Des chaînes électriques lentes, étourdissement de zone à moyenne portée, ok. Et une épique. Dégâts lumineux de zone à courte portée autour du héros. Allez, je vais prendre ça. Alors du coup, comment ça se passe? Alors, il faut que je choisisse celle que je veux lâcher, j'imagine. Putain. Ouais, si tu le fais avec ton arme principale, ouais, tu... Revolution. Ok, bah go. Ah, c'est particulier, d'accord. Attention, hein, quand on clique sur ça... c'est bien, mais... Okay, ouais, pas tout de suite. Voilà, on verra après, hein. Ça, on verra après, pas drôle. Bah, c'est sûr que. Ah, il faut en vrai, il était pas loin, on aurait peut-être dû le faire avant. Bah, ouais, là, on a une vague de plus du coup. Ouais, c'était un mauvais choix. Mais bon, peut-être que je vais avoir une arme aussi. Non. Une vague. Du coup, s'il y a une vague, autant l'envoyer le cristal. Hein. Ouais, vas-y. C'est parti. Bon, en haut, on va prendre cher, hein, mais bon. Oui bah écoute hein, si on a plus de porte.
Wouah, ils font si mal. Ah, les tourelles d'amplification font le taf quand même, hein. C'est bien ça. Ah oui, il traverse en ligne droite, quoi. Ouvrir cette zone parce qu'il va revenir à sa place après, hein, quand il a fini. Il arrive. Des oppresseurs s'en prennent au générateur. Scandaleux, scandaleux. Ouais, bon, on va perdre quelques bonus de salle, mais bon, tant pis. Hein. Faut juste qu'on se barre bientôt, parce que c'est en espérant qu'on va bientôt trouver la sortie. Oui, il y a une grosse araignée là. Ouais. Ah, putain, il m'a envoyé une toile d'araignée, cette garce. Ah oui, putain, moi aussi. Ok, c'est de la merde l'arme que j'ai prise, on dirait. Il y a un truc qui m'échappe. Bien, attention, ça arrive encore. Ouais, le gros qui se balade là. Il y a le gros qui roule, ouais, il roule en ligne droite. Là. Envoyez-nous vos sous-fifres, bande d'escrocs. Alors, qu'est-ce qu'on ouais, peut améliorer? Ouais, les noms, ils aiment bien faire des noms un peu humoristiques comme ça. C'est totalement eux, ça. Alors, améliorer la défense du robot, mais réduire sa vitesse. Je suis pas fan. Non. Par contre, on peut faire en sorte qu'il génère un d'industrie ou qu'il génère un de science. Je dirais un d'industrie. Hein. Ouais, ouais. Ouais. T'as en bas, vous avez une petite clé à choper aussi, encore. Dans la salle, la toute dernière salle. Ah. Cool. Là. Ah, normalement. Oui. Pareil, du coup, si on perd nos ressources, il faudrait mieux qu'on... se casse. Non, je pensais plutôt qu'on améliore, genre, on crame toute la bouffe ou des trucs du genre, non? On perd pas ces ressources-là, c'est les... Ouais, ce qu'on perd, c'est le bonus à chaque porte. Ouais. Ah, ok, d'accord. Et à moins qu'ils aient changé, mais normalement, dès qu'un module est détruit, on peut plus le reconstruire. Good as new. Contrairement à avant. That way, comrade. T'as lancé là. Ouais, faut qu'on... histoire qu'on se barre, hein, parce que de toute façon, vu qu'on a perdu les bonus, faut qu'on change d'endroit maintenant. Waouh, il trace. Pourquoi tire pas? J'ai en bas. Bon, en vrai, ça va, le cristal étant pas loin. Ouais, il est quand même bien placé. Il suffit de gérer cette salle là, plus ce qui arrive quand même. Salut Kirvex. Salut, salut. Le gros qui se balade là-haut. Ouais, bah on sent bien, il est bien fait l'effet de il charge et bon, après il va là où il peut quoi. Exactement. Attention, ça s'intensifie un peu. Ouais, y'a bon. Je crois que c'est ouvert. La porte se referme, on se casse. Attends, parce que quand je suis en mode tourelle, du coup, je suis beaucoup, beaucoup plus lent. Et salut Solis. Bah, ça souffre un peu, oui. J'espère que ça va, Kirvex. Bienvenue sur le live. Bah, on a toujours un solde à zéro hein, de pièces, on est content. Bah, pourtant, on en gagne. Hein. Oh, ouais. Ah ouais, mais à la fin il fait un malus bonus et enfin un ratio et le ratio dit bah non vous perdez. D'accord. Ok, ça c'est un truc de recherche. Ouais. J'imagine que là on bah, va en vrai on peut pas l'activer dès maintenant. Bah si, mais bah, je pense que pas, ouais, hein. Du coup faut améliorer la salle tant qu'à faire, mettre des tourelles 2, des enfin ce qu'on peut. Ah on peut pas mettre de merde, on peut pas mettre d'amplificateur. Si on ouais. Peut, c'est bon. J'en mets un là. Hop. Ah. Voilà. Deux tireurs et un amplificateur. Je peux le changer pour un, mais ça c'est pas mal. Pour deux c'est ouais, deux, bah pour deux, bon bah c'est un petit misclic, écoute. Et qu'est-ce qu'on peut. On peut faire bah, l'amplificateur niveau 3. Ouais. Hein. Parce que c'est quand même bien. Ça améliore nos capacités de héros aussi hein, dans la salle. Hein. Alors, si vous faites votre pouvoir, il est plus puissant. Pour info. Et nos dégâts, je crois aussi d'ailleurs. Ouais, moi je veux bien faire des salles de recherche comme ça, hein, perso. Bah malheureusement voilà, on a plus trop de recherche, mais...
C'est clair oui, que si on peut s'en faire quelques autres, ce serait pas mal. Hein. La dernière fois que t'as vu ce jeu, il était pas du tout en 3D. Alors ce que t'as dû voir, c'est Dungeon of the Endless, du coup, Kirmax, qui était effectivement l'un des tout premiers jeux d'Amplitude, sorti il y a un bon moment. Mais c'est pas le même, celui-là c'est leur nouveau Endless Dungeon, qui est entièrement en temps réel, et entièrement en 3D, effectivement, avec quelques concepts un peu différents quand même. Oui. Roll industry, on peut en mettre deux ici. Putain, j'en avais déjà mis un, là je venais d'en construire un. Oh, la salle avec deux générateurs, c'est bon ça. C'est une autre salle, hein. Il y avait une porte. Ah bon, tu viens de l'ouvrir ? Il y avait une porte. Ok, pardon, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Je me disais, c'est balèze ça. Bon bah. Un coffre, un pistolet s'il vous plaît. Ou un truc pour Dacus à la limite, mais. Bah, j'ai le lance-roquette, mais bon. Pyromane ajoute un point d'infinité élémentaire à ce héros quand il utilise une arme infligeant des dégâts de feu. C'est pas mon cas. Si quelqu'un a une arme de feu, allez-y, hein. J'ai pas de feu, non. Non, non moi, c'est bah, la lumière, moi. On peut le garder en attendant. On peut le garder là en attendant qu'on trouve autre chose. Attention, il y a un gros derrière. Voilà. Ah. Pensez à clic droit, faut y penser. Sinon, on a tendance à rester un peu statique. Ouais, le coup de l'araignée, là. Eh bah, ça, c'est pour moi. Baguette magique. Oh, c'est de la merde. Non, c'était en bas. J'envoie, je reste ici pour tenir. T'appelles si besoin ? Ou non, je vais venir avec toi parce que je pense que. Non, c'est bon, j'ai trois tourelles. Oui, le signe il est bien. Je m'inquiète pas trop. J'arrive. Bon, en vrai, en bas ça devrait bien se passer aussi, hein, mais. Les monstres ils arrivent même pas à avancer tellement on les défonce. Avec le recul. Plus l'amplificateur. Ah bah ouais. Amplificateur, c'est bien. Bande de chiens capitalistes. J'aime mon personnage. Il est excellent. Quoi. Allez, j'ouvre. Même pas peur. Ouais, vas-y. Hein. Il y a un coffre. Pas mal de coffres dans cette zone, dis donc. Ouais. Ah, j'ai un pistolet là. Attaque acide à moyenne portée. Eh ben on va prendre. Alors du coup on peut tous utiliser les armes mais on est théoriquement plus ou moins efficace, chacun on a une affinité quoi. Bah surtout que tu peux pas prendre les armes de tout le monde normalement, chacun a son style d'arme. Ouais, ah arme lourde, légère et Dacus t'as pu prendre mon gros lance-roquette pourtant. Oui parce que je porte des armes lourdes. Ah on est deux avec les armes lourdes, ok. Ouais. Ici y'a un truc. Une recette de boisson. Une recette de boisson. C'est pour le saloon. Oh bien. Ouais, alors je mets une tireur aussi. Et j'ai mis une amplification là. Ouais, c'est pas mal ça. Là franchement, ça envoie du DPS quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a comme porte oui, après, je crois que si tu... Alors, on va pas le faire tout de suite, mais je crois que si tu mets plusieurs tourelles dans l'amplificateur, elles se multiplient. Sauf pour les compétences d'héros, ça marche qu'une fois. Mais tout le reste, ça se booste. Ça c'est bien. Ok. J'ouvre au fond. Coucou. Et on a pour s'améliorer, ajoute la défense au héros, ajoute. Ah merde. Ah vache. Bon, on s'améliorera plus tard. Tu tiens ici, Damned ? Okay. Oui. Bah maintenant que je suis là, hein. Écoute. Je me suis Keblo, quel nul. Je vais gérer en haut. Putain c'est vrai qu'il fait pareil sur les tourelles. Il balance des toiles d'araignée sur les tourelles l'enfoiré. Ah le fumier. Il y a un gros qui est passé je vous le dis. Si vous voyez un gros derrière vous c'est normal hein. Côté ça va, je gère les deux, plus ou moins. Après je gère le reste. Attaque aussi sur le générateur, mais... Ah il est en train d'attaquer le générateur là. Ok le gros revient chez moi. Je le défonce celui qui attaque le générateur, c'est bon. Ah le gros il fait des trucs dans les coins. Ouais il c'est pond des faire, il pond des saloperies en fait, il s'arrête et il pond des saloperies, ok. Ça je savais pas. Ouais ah, il faut vite le tuer parce que les saloperies elles sont C'est bon. Pour ça qu'il se barre en fait, c'est pour aller se mettre. Ouais c'est pour ça qu'il se barre, il va se mettre dans des coins pour pondre en fait. Je l'ai géré, c'est bon. Oh quel enfer. Ah bah ça je savais pas ouais.
Du coup, j'ai dû utiliser un soin, j'étais vraiment pas bien. Ouais, bah t'as bien fait, hein. C'est comme ça, hein. Pour dire, hein, voilà, si on peut en acheter un autre à un moment donné. Et une petite salle à côté, là, je l'ai ouvert. Hop, putain, y'a des robots dedans. Bah tiens, super. On avait besoin de ça. Ah, j'étais en train de me dire, on pourrait peut-être se lancer une recherche là. Vu qu'on bah, voilà. a quand même récupéré 20. Activez l'interrupteur de barrière pour ouvrir toutes les portes verrouillées. Alors, on peut avoir la tourelle basique 3. Ah, bah les portes qui étaient rouges. Ne le sont plus. Ils sont devenus vertes, ouais. Jacques, je lance une vague, vous êtes chaud ou... Ouais. Pour allez. La tourelle 3. Allez, c'est parti. Je remonte, j'ai rien haut. Je mets des améliorations, hein, par contre, des tourelles, des trucs, parce que. Viens là, toi. Oh putain, putain, c'est chaud. La merde. Ah. Oh, c'est la merde là. Là c'est ouais, grave c'est la pareil. Merde. Moi c'est pareil, hein. Ça pue. Ah oh, putain, j'ai même pas le temps de lancer mon sort, il me défonce quoi. Oula, 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 oula. Si tu sais me relever d'Acus éventuellement. Ah oui, c'est là. Je fais tellement pas de dégâts moi, c'est là, sur les robots ils sont, ah, ils sont costauds. Ah. Mais il y en a qui sont entourés de rouge autour, je me demande s'ils sont pas boostés ou Je sais pas. Mais... Je y en a un qui coup. J'ai un point rouge hors de la map. Je suis le seul ou pas de point rouge. Non, moi. Moi aussi j'ai un point rouge là derrière les portes vertes là. Ouais, ouais, ouais. Non. Ouais, puis on le voit, il est planqué derrière là. On peut le tirer dessus. Ah, petit bug. Ah bah voilà, le bug. Il a dû traverser la porte. Il a un peu trop roulé, ouais. Allez, j'ouvre. Aïe, aïe. Bon, ça va, le cristal a pas pris trop cher. Ok, aïe, emplacement du cristal par ici. Ouais, bah on va falloir. Je crois qu'on va s'arrêter là et on va y aller. Ça fait quoi, en fait, ça le fait? C'est pour ouvrir la nouvelle salle? Non. Non, c'est un... C'est forage c'est juste un emplacement pour qu'il avance, j'ai l'impression. Ouais, il doit être à mi-distance, tu sais, on avait vu ça aussi. Ouais. Il ouais, peut ouais, être ouais. à mi-distance. Et dessus, on gagnera de la science quand il y sera. Ok. Bah, va falloir quand même, de hein, toute façon. Hein. Bon, bah, j'envoie du coup. Ah, ils m'ont détruit celui-là. Ouais, vas-y. Y'a pas des tourelles à réparer début, ou moment. Des trucs du style. Moi, c'est pour bon. Mon bas, non, je pense pas. Parce que je peux aller les réparer, hein, donc. Pour moi, je gère en haut le temps qui passe là, et puis faire au mieux en tout cas. Je vais gérer en haut. Ah putain. Moi, c'est okay, moi il, en est bas. Il est passé là, donc pour moi ça va. Ça arrive là. Ouais, on va se regrouper dans la grande salle pour aider. Voilà, parfait. Tu vas pouvoir commencer. Vous allez pouvoir commencer à reculer si vous voulez vous regrouper. Ils sont en train d'attaquer un générateur, je ne sais pas où. Ah, c'est en haut, ouais. Non, c'est bon. Ok, il va être en place, hein, le cristal. Putain, il commence à être limite mon arme niveau DPS. Hein. C'est bon, le cristal est rangé, il n'y a plus qu'à éliminer les. Bon, ça y est. Ouf. Bah, et alors, moi, qu'est-ce que je voudrais dire? J'ai beau choper deux flingues, ils sont toujours aussi pourris. Hein. Bah, pour le moment, on va essayer d'avancer. Hein, parce on que, voilà. a une porte en haut, là. Ouais, j'ai vu. Vous voulez la faire, la verte? Pas la verte, non, mais Ah oui, là. Juste par là. Ouais, allez-y, allons-y. C'est vrai qu'on peut se téléporter au cristal maintenant, donc ouais, allons-y. Faites vos prières. Quoi, c'est un truc de soin? On va prendre de la bouffe. Ah, c'était un générateur, ok. Ouais. Ah, du coup, allez, on continue par là. Ça pue. Non, regarde, non. On peut ramener le cristal. Alors non. Je dis non. Je vote pour non. Moi je vais m'acheter une amélioration en attendant. Oui ça oui. Mais le non, le truc, je vote pour un gros non. Ouais, mais alors un ramener gros le cristal non. J'avoue que c'est un petit peu chaud là. C'est un peu tard là. Vu le couloir Il faut qu'il refasse tout le tour. Alors je regarde vite fait. Vas-y, je regarderai loin. Après. Vas-y, c'est bon, je me suis pris un peu de défense.
Moi, je pense que ça se tente, hein. Non, 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 tu mens. Tu mens comme tu respires. Ah ouais, complètement, là. Je te connais un peu, hein. Quand même. Tranquille. Fait... On a fait quelques heures de nains ensemble, donc... Ouais, ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Je vois ce que tu veux dire, mais non. Allez, je vais regarder la suite. J'ai une petite salle tranquillou pour le moment. Boum. Et c'est tout d'ailleurs. Donc ça veut dire que la suite est dans la porte verte. La suite est dans la porte verte, ouais. Donc du coup on peut... Eh merde. Voilà, on peut lancer le déplacement maintenant. Je vais tenir en haut. Je vais faire quelques tourelles quand même dans cette salle, hein, la grosse là, parce que... J'en ai fait quelques-unes déjà, mais ouais. Ouais, bah ouais, que... tant pis. Voilà, elle doit être un peu plus boostée là. Donc si ça passe dans le gros carré, vous inquiétez pas trop. Mon côté là. Ok, ça c'est géré de ce côté là. Next. Mais ouais, je pense qu'en fait il y a des monstres qui apparaissent qui sont entourés de rouge, c'est des espèces d'élites en fait. Possible, je pense, ça. Hein. Enfin, soit améliorés, soit plus résistants, soit. Mais ils ont l'air clairement plus costauds. Ouais, et quand tu vois les points de vie qu'ils ont, ils en ont beaucoup plus. Y'a rien qui pop de mon côté là, ça va genre chez vous? Ouais, bah c'est que ta vague est finie, tu peux aller ailleurs, normalement. Normalement, hein. Là, ça pop là, par exemple. Ouais, ils ont pété un module, bah oui, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Tiens, j'en profite pour aller voir, on peut toujours pas les réparer, hein, c'est... non. Non, une fois que je suis mort, c'est mort. Il y en a un qui existait ici, mais qui n'existe plus. Ok, non mais voilà. Ils ont bien gardé ce mode-là, et ils s'y tiennent bien, hein. Ça fait 3 open dev, ils sont pas revenus en arrière. Ok, mais bon, c'est le... ça change, pourquoi pas. Pas là pour glander, hein. Ah non. Ok, la sortie est là. Ça devrait être assez jouable, normalement, sans problème. Ouais, ça devrait passer large, ouais. En plus, il y a zéro... On a un peu amélioré la grande salle. Allez, let's go. On reste dans la grande salle carrée, le temps qu'il fasse le tour. Une fois qu'il a fait le tour, normalement, il n'y a plus qu'un couloir d'arrivée, on devrait être bien. Petite tourelle là. Petite tourelle là. Bip, 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 bip. Pour l'instant ils sont même pas encore arrivés dans la grande salle du coup. On peut se replier Takus. C'est vrai qu'on a oublié d'aller prendre le bonus qui nous donne des dégâts aux dégâts de feu, mais bon. Ah ouais. Il est loin maintenant. Ouais. Ouais. Non ouais, c'est plutôt clean hein, il est juste au-dessus là. Par contre moi j'ai déjà un bonus, je peux pas aller le prendre. Non bah tant pis, moi je reste avec le cri-cri. Je vais tenter d'aller le chercher. T'es un fou dans ta tête. Oublie pas que tu peux te téléporter une fois que tu l'as. Hein. Je te recommande de le faire d'ailleurs. Ça commence à arriver sérieusement. Barre-toi le signe, tu vas crever. On peut se barrer, vas-y, téléporte-toi au bot. Hein. C'est ouvert. Wouhou. Ah bah, j'ai pas pu le ramasser. Ah bon, bah tant pis. Ah oui, c'est vrai que là c'est carrément les changements en ascenseur, c'est vrai. Il te téléporte caf quoi. Oui, oui, c'est vrai que là quand on arrive. À la zone ascenseur à l'ancienne. Ah bah ça a un petit peu évolué par rapport à Donjons & Viandless, c'est sûr. La la na 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 na. Ça c'était Isaac mais bon. On attend une commande. Ok, on peut pas aller à l'usine stratégique, on n'a pas la clé, mais on peut aller à la colonie de travail. Étage terminé. Confirmé, vous avez la même chose. Alors, rapport d'accès au système, défaillance générale du système, repousser les intrus activés. Ouais, c'est accès maximum, chef, deuxième étage, ok. Présence d'unités défensives géantes confirmée. Ah. Oui. Ah. On n'est pas encore sorti de l'auberge, mais au moins on avance. Allons voir au deuxième étage. Oui. Alors, est-ce qu'on va à l'usine ou à la colonie de travail? J'aime bien Sobeka. Non, mais ça va bien se passer. Mais oui, Sobeka, bien sûr, aucun problème. Évidemment, bah allons, allons. On est large. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer de toute façon. Alors, oui. dans le chat, dites-nous, tiens, usine stratégique. Ah, tu peux faire l'usine? Ah ouais, tu peux. Moi, c'est marrant, parce que moi... En tout cas, je peux confirmer. En fait, j'ai pas les dialogues. On arrive direct au choix, nous.
enfin moi en tout cas je pense à l'accusation, on arrive direct au choix et ça nous dit qu'on peut pas aller à l'autre parce qu'on n'a pas la clé de sécurité. Mais bon, ouais. Ah bah moi j'ai les deux. C'est le temps. Ouais mais c'est le joueur 1 je pense qui est le dernier. Ouais. Bah, peut-être que plus tard il y aura un vote ou un truc du genre. Bah de toute façon on a même pas le dernier mot, on a pas de choix. Bah moi je peux cliquer sur colonie de travail mais ça fait rien, comme ça au moins. Moi j'ai un bouton confirmé en face des deux donc je pense que je peux choisir l'un ou l'autre. Moi je te dirais bien de faire l'usine stratégique vu qu'on peut pas le faire, ça veut dire que c'est une zone où il faut une clé qu'on a. Ça doit être la deuxième qu'on a chopée. Donc potentiellement nouvelle zone. Au pire vous mourrez, voilà, et il a raison Kento. Allez, au pire hein, bah écoutez, allez, c'est parti pour l'usine. Allez, let's go. Et moi je reste bloqué pour le moment. Chargé. C'est marrant, je suis encore sur l'attente du truc, ça y est, ça m'a déjà. Okay. Non, moi je vous ai vu, vous escortiez le cristal pendant que moi je chargeais. Ouais, non, mais ça y est, c'est bon, je le charge. Ça bougeait un peu, ouais. Alors, est-ce qu'on a des améliorations? Non, même pas. D'armes. Vous avez dit qu'il fallait aller la chercher cette amélioration. C'est mort, mais. C'est stylé cette zone aussi avec la lave là. Ouais, c'est stylé qu'on ait pas repris nos points de vie aussi. Ah, c'est génial par contre, ouais. T'as vu? Oh là là. Ils sont mais la zone contents. Est classe, ouais. Ouais, le level design, de toute façon, en général, hein. C'est plutôt joli. Alors là, il y a un truc... Et là, il y a des ennemis. Oh, des ennemis. You say dust, I say power. Power. Ah ok, ça c'était un petit bonus de science, ok, très bien. Et il faut éclairer, coup... putain, là-dedans, oh là là. Non, on va pas est-ce éclairer a... ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'éclairer ça? Non, on peut mettre... On blinde celle d'à côté, ouais. Ah oh, oui. Je mets un amplificateur au fond. Et voilà c'est bon. T'as qu'à poser une mine là-bas. Ah oui, t'as bien fait. Bah oui. Vas-y. Oui, oh non, bah c'est bien, ouais. Ça me coûte rien, donc oui. Allez, un petit module là-bas, je te laisse remettre une petite industrie, je pense, pour commencer. Oui, ça fait pas de dégâts. Oui, ça fait pas de dégâts, ça surprend, quoi. Donc ça, c'est fermé, il faut trouver un interrupteur de barrière, ok. Bon bah... Pareil là, du coup. Celle-là aussi est éteinte. Ce serait peut-être plus intéressant d'allumer celle-là que... Ouais, petit bonus de science. Pour le moment, on n'a pas besoin parce que c'est rouge. A priori, les monstres apparaissent pas dans les salles éteintes. Hein. En général, on est d'accord. Hein. Si. Dans le premier, c'était comme ça. Dans celui-là, c'est ce que je me demandais. On va voir. Si, dans le premier, ils apparaissaient dans les salles éteintes, justement. Oui, c'est ça. Mais est-ce que là, ça va être le cas parce qu'il n'y a pas de zone de pop? Si, bah je pense que si, regarde c'est bon, oui ils arrivent dans la salle éteinte là, y a ah pas non de problème, non, je pensais pas de la... je pensais à la salle qu'on a pas allumée en haut en fait, excuse-moi, j'ai pas été assez clair. Voilà, en bas, salle... c'est sûr, c'est qu'il y a un spawn, mais... Ah oui c'est ça, haut. Sous prétexte qu'elle est éteinte, ça devient pas une salle de spawn quoi. Ah oui, tu veux dire, dès que c'est éteint, il y a forcément du spawn, non pas forcément. Putain, la vache, le DPS il commence à être limite là. Oui. Wouah. Non parce qu'ils sont sympas hein, d'avoir enlevé la meuf et tout là, mais elle faisait quand même du gros DPS. Bah moi je pense que je suis censé la remplacer mais le problème oui, c'est ça que va, ma... ça va. Ouais, mon arme là c'est l'arme de base et commence à être un petit peu dans le mal quoi. Et la deuxième que j'ai achetée au final, il faut que après, je la charge là, module, si et ça fait des attaques super proches donc c'est assez particulier. Oui, c'est vrai qu'on... non tu peux pas mettre de module là. C'était un truc qu'on a cliqué dessus, ça nous a donné une 10 de science en fait. Ouais c'est ça. C'est un genre de coffre. D'accord, ça ressemblait à un truc de module j'ai cru. Ouais, c'est un espèce de coffre à science. D'accord. Ils font des trucs chouettes chez Amplitude. Ouais, je suis d'accord, ce bec en général, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis c'est des Français, Cocorico. Les effets de lumière sont... Ouais, ils ont bien assuré. Hein. Un petit coffre. Allez, une arme. Non, coup de mou réduit de 70% la cadence de tir des monstres touchés par les armes. Bah, faut quelqu'un qui dégomme bien. Hein. Et l'autre, 100% d'effet de poussée. Ça peut être pas mal. Ah, y'a ça aussi. Moi, j'ai quoi déjà ? Bah, vous avez plutôt des armes, vous balancez, vous prenez-vous. Parce que moi, franchement. Je vais prendre ça. Du coup. Et il y a une zone de spawn ici, et pareil, une salle noire. Ça, encore. Putain, moi, je vais prendre le coup de mou alors. Qu'est-ce qu'il y a comme salle noire dans le coin là ? Putain, ouais. J'avoue. En plus, c'est un spawn là, donc on s'en fout. On va déjà en mettre que deux pour commencer, mais bon. Allez, c'est ça, fumier. Comment... C'est ça la fameuse zone de coupure. C'est ça, ouais. Ah, c'est ça les fameux... c'est... En fait, c'est les trucs de science. Ouais. Les coffres à science, putain, là, il faut les rebooster. Il faut c'est les rallumer. Ça. Ok, bon, par contre... Ok, ça a arrêté instantanément les vagues, par contre. Ouais. Ouais, donc c'est pas long à faire, mais ça t'oblige à galoper comme un fou, quoi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ok.
Bon, ça va, c'est proche du cristal, donc il fuira de se TP. Mais bah, si on ouais. n'en trouve pas d'autres ailleurs, ouais. Un truc ouais, de ça. Science. Alors, on peut avoir une confitourelle, la tourelle bouclier, ou la tourelle explosive. C'est quoi la tourelle bouclier ? La tourelle bouclier, elle augmente la défense des héros, du robot, des tourelles, des générateurs et des terminaux de recharge dans la même salle. C'est pas mal. Vous êtes chaud, je la lance ? C'est pas offensif, mais c'est pas mal. Après, si tu vois quelque chose qui a l'air de faire plus de DPS, on peut aussi, hein, mais... Bah non, à côté, c'est la confitourelle, puis la tourelle explosive, on a dit qu'elle explosait pas toute seule, a priori, donc elle est peut-être buggée. Non, bah prends ça, et après, de toute façon, on verra si on tient le coup, on en fera une deuxième. Moi, je vais à gauche, déjà. Vous êtes prêts pour la vague ? Allez ! Yep ! Je suis déjà en train de tirer dans le vide, moi. Right there. Recule dans la salle d'Acus, ouais, tant qu'il faut. Ouais. Par contre, ouais, putain, qu'est-ce que c'est costaud la résistance, la poule, oh là là. Je viens de te poser une petite tourelle. Il y en avait déjà, toi, sale pire. Bah, j'en ai posé une de chaque côté, du coup. Oh là 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 là. Comment ils ont. Je fais traverser, ouais, mais... quoi. Et comment je fais pas de dégâts, moi. Mais il est immortel, lui, ou quoi. Non. Mais bon. Oh la vache. Oh, lui il fait mal, one shot le fumier. Oh, non, non, lui, attention, faut pas qu'il faut pas arriver au corps à corps contre lui. Hein. Et ben, ça pique. Un petit soin, oui. Hein, ce serait bien, un petit soin quand même. Hein. Ouais. Oui. Je mets une petite bouclier du coup. Oui. Je te sens stressé, Dame Ned. Non, non, pas du tout, je vois. Ouais, non, c'est bon. T'as pas l'air hyper détendu. Et mais confiance. Disons que j'ai déjà connu des jeux où je fais piou-piou avec une arme, mais alors là, j'ai vraiment l'impression de faire piou-piou, quoi. Ah bah non, mais là, on est surclassé. Hein. Si peu. Le pistolet nerf, il va falloir le poser par terre et ramasser une vraie arme, quoi. Ouais, c'est ça. J'étais presque en train de me dire, ça me rappelait les pistolets qu'on avait tous avec, vous savez, les petits trucs rouges ou, qui font du pétard là, des cow-boys. Quand tu ah ouais, ouais. Claques, pac, pac, pac. Bah, c'est à peu près ça quoi. Allez, j'ai mis un bouclier, une amplification. On le fait venir. Allez. On peut y aller, ouais. Ouais, ouais. Vas-y. À l'aide. Je l'ai pas lancé là, si. À moi non. C'est à moi de le faire. Très bien. Bah, t'étais pardon, dessus, excusez-moi. Non, mais je peux y aller, je peux. Non, non, pardon, mais j'y vais, t'inquiète. J'ai pas assumé. A l'aide. Ouais, c'est ça. Si vous donnez une arme à Damned, il vous tirera dans le dos. Oh non, quand même, le pauvre Damned. Oh, non, avec son non, gros bouclier là. Je suis pas comme ça. Enfin, ça arrive. Ça dépend. En vrai. Oh là là, mais il traverse tellement en mode open oui. bar quoi. Bon, par contre, c'est vrai que je les empêche d'avancer hein, avec mon recul amélioré. Hein. Ah bah, ça c'est bien. Ça c'est cool. Alors on est dans une salle où on est quand même pas mal là. Ouais. On peut améliorer les tours, hein, n'oubliez pas. Hop, voilà. On prend. C'est bon, c'est là, bon. Ils se font dépouiller par les petits piou-piou. Alors, à gauche, il y a une salle Grastos. Je propose qu'on en ouvre surtout pas. Parce qu'on donnerait un bon raccourci au monstre pour arriver au cristal. Ouais. On l'ouvrira à la fin pour avoir le petit bonus. Oui, ça c'est sûr. On va aller à droite. Ouf. Oula, oula. Monstre ah, en c'est approche. Moche. Ouais, c'est bon. C'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Mais... Bah après, c'est oh, vrai ça qu'en plus. C'est un nouveau biome de monstre, ça non. Ouais. Invocateur de Blobs. Bah voilà, tu vas pouvoir te faire plaisir avec ton petit piou-piou là. Petite ouais, amélioration pour en prendre. Une chacun, ouais. Genre. Canton, tu sous-entends que Damned il tire dans le dos de ses alliés. T'en as fait les frais? Ah bon? À quoi on a joué ensemble, Canton? Je me souviens plus. Alors là. Un camarade tourelle. Ah, est-ce qu'il est pas en train de faire une référence à Gelden et son live sur. Ah, sur Rimworld peut-être. Sur Rimworld, ouais, parce que. Ah oui, c'est jamais joué avec Rimworld. Hein. Effectivement. C'est vrai indice, que. Je n'ai jamais joué avec Anton. Damned, on lui file un fusil à pompe, qu'est-ce qu'il fait? Il tire dans le dos de son papa. Direct. Premier tir, première balle, c'est fait. C'est. Même pas de mes alliés, c'est carrément de ma famille quoi. Ah ouais. C'est quoi celui-là? Ça ouvre les portes. Ah, c'est le truc voilà. Barrière là. Ouais. Ah, oui. Bah d'ailleurs, hop. Ah, l'aide oh, oh, oh putain, puis là c'est la perpète.
Ah, on peut pas se TP. Excellent, les non, salauds. Par contre... Ah putain, on peut pas ouvrir... Je voulais ouvrir la salle pour prendre, pour faire le raccourci, on et peut non, pas non. Bon bah je défends le cristal du coup. Oh. Vas-y, Dacus, on compte sur toi, hein, t'es tout seul. Hein. Ouais, y'en a deux à faire. Hein. Y'en a deux ah, à faire. Ah, il faut appuyer en même temps. Non, je crois que tu peux faire les deux chacun leur tour. J'y vais, mais... Ah putain, y'a d'autres trucs qui sortent. Dacus va pas y arriver, je crois. Ah, je suis mort devant. Non. Ah moi je suis désolé, j'ai pas assez de vie pour... J'y vais. Putain, je suis obligé de te... Bien joué. Oh, putain, ça les insta-kill en plus. Ah ouais. Heureusement. Oh. Bien joué. Et tu veux le pire d'Acus, c'est quand j'arrivais pas à cliquer parce que ça voulait 13 en fait. Je ah galais. Oui. Je voulais ouvrir le truc et en fait ça me proposait res. Je fais non. Je veux pas la res, rien à foutre qui crève. C'est ça. Pitié! Ah, il me restait presque rien juste avant que je meure, j'allais presque activer le truc. Ah! Au pire, essayer de voir un level up, je crois que ça vous soigne, mais je suis même pas sûr en fait. Je suis même pas sûr de ce que j'avance. Non, ça soigne pas. Ça soigne pas, je confirme. Ok. Bon. Bah voilà, c'était une idée de merde, merci. Okay, au revoir! Ah bah j'ai au moins le level up. De la merde. Il y a une autre salle gratuite, mais j'ai pas envie de l'ouvrir non plus parce non, que. Non, ça pour l'instant, on va éviter les chemins à la con. Hein. Ouais. Enfin, cela dit, ça peut nous permettre de, en cas de coupure de revenir vite quoi, mais un marchand. Ah mais on a plus de bouffe du coup. Putain, il y a une super arme pour moi, à 8, ah c'est jouable, et il y a une arme lourde aussi, mais je vais la prendre parce que là... Oh, oui, bah non, bah vas-y. Hein, bon, non. Oh par contre c'est une arme à charge, ok. On va voir. Moi je peux pas équiper le truc que t'as laissé tomber, ok. Ouais, non. Et l'arme lourde, le canon électrique, ouais. Lent et à moyenne portée, parce que ouais, mon canon à lumière, c'est vraiment pas possible, quoi. Bon, faut qu'on continue, hein, faut qu'on avance. Putain, c'est grand quand même. Ah ouais, c'est tellement grand. Oh la vache. Il y a un autre biome, là. Portes, hein. Il y a des ennemis là. Il y a une grosse saloperie. Ah, il est dégueulasse. Et dans une salle éteinte en plus. Arme lourde, désingueur. Oh putain. À l'aide. Bon, ok, c'est la merde. Je me TP au cristal. Moi je vais dans la petite salle en bas à droite là. On va bien voir. Hein. À l'aide. Bim, prends ça toi. Bon, j'arrive à gérer à peu près la vague de cette salle là. Je fais un peu de dégâts quand même, mais bon. Il est pas mieux ton nouveau piou piou. Si. C'est juste qu'il a pas une cadence de tir élevée quoi. C'est à moi de bien gérer mes. Ah que oui. Ça se charge. Oui, alors moi j'avoue, je tire comme un gros sac. Mais ça fait mal. Non, mais ça fait mal quand même. Bon, les tourelles sont pétées, mais la vague c'est fait. Ah non, il reste une petite saloperie là. Ok. Ah non, ça fait mal quand même. Au choix, je préfère. Alors. Qu'est-ce qui reste? Ah, c'est bon. J'étais en galère là-haut. Bien joué. Encore une salle éteinte là-bas, ouais. Avec on avait pas un petit truc de recherche à faire là, peut-être avec nos 36. Non, ce recherche, non. Non. C'est vraiment pas fun. Ouais, non, mais c'est ça qui te manque, Damned. C'est que t'es, oui. T'es pas joueur c'est vrai. Dans ce jeu. Non, c'est vrai, ouais. Ouais, non, je suis pas. Tu manques d'amusement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, j'avais pas vu que c'était une porte qui s'appelle le cristal. Voilà. Ah, ah c'est tout, hein, c'est pas... Et après l'autre, oui, non, mais on va pas faire de recherche. Vous voyez que je sais m'amuser? Vous voyez que je sais m'amuser, les gars? Bon, normalement, ça devrait aller derrière bien, les tourelles et font le taf. Y'a pas de soucis. Non, mais en même temps, faut bien ouvrir les portes et faut avancer, voilà. C'est... Ouais, bah moi, je voulais aller voir, c'était quoi le. L'autre objet vert qui était tombé du coffre, mais du coup... C'est un flingue pas le porter. Bah c'est un flingue mieux que ce que j'avais, donc je le prends, voilà. Bah vas-y. Voilà. Ah bah une mitraillette, c'est bien aussi ça. Enfin un flingue mitraillette. Un PM. Ouais. Mais bon, l'autre pistolet est bien aussi. Hein. Oh, je leur fais tellement mal avec ça.
Ah ouais, les petits trucs là par contre c'est de la merde, hein. Ça se fait tout seul. Hein. Faut pas être juste... Ah mais du coup ils sont... Juste qu'il y en ait trop quoi. Voilà. Ils sont faibles face au... La porte est ouverte. Ouais ouais, on va y aller ouais. Ça, j'aime bien l'idée. Ouais, c'est pas une porte qui referme si? Ah si. Si. Ici, normalement si. Ah, on a trouvé une brume au passage. C'est pas du luxe. Putain, la salle elle est grande! Alors, par contre. Et salut Saren Dogma, bienvenue sur le live. Désolé, hein, on est un petit peu dans salut. La roche. Ouais, bah ouais. On va peut-être gagner. Oui, on va gagner des pièces. Oui, 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 19 gagnés. Ouh. Est-ce qu'il y a un. Spot alors, juste dans la salle où oui, il y a le cristal. Mais oui, c'est ça que j'allais dire, c'est rigolo hein. Qu'est-ce qu'ils ils sont ont amusants hein. Oh j'adore. Oh il va falloir blinder en tourelle. Ah là ouais, il va pas falloir être radin hein. Voilà, je pose mes 3 tourelles déjà. Ok, encore une mitraillette ici, ça me paraît bien. Voilà, et puis après bah, sur va tout falloir le chemin, mettre... Je pense, tout le chemin jusqu'au cristal de la mitraillette. Sur le côté je mets un amplificateur, hein. Parce que on voilà. a déjà un bouclier, un amplificateur, c'est pas mal hein, déjà. Hein. Allez, on est pas mal, on est content. Mais attends, c'est bizarre. Oh putain. Ce serait pas la fameuse salle du boss. Parce qu'on a juste une porte de sortie. Hein. Ah oui, regardez, on a une porte, porte de sortie. Ouais. On a qu'une porte. Oh ça pue. Ouais. Oh ça pue. Gros fun. D'accord. Ah mais arrêtez d'être inquiet comme ça. Et allez, vous avez vu kiff. Les. Vous avez... Vous avez vu les grosses traces qu'il y a au sol à côté du cristal d'ailleurs, des grosses griffes là. Non, non, je vois pas. Ouais. Bon bah je lance. Bon bah oui. Ouais ouais. Bon bah je vais garder. Je sais mon pas ce que ça va être hein. Ah. Mais... Ah. Oh, un event. Oh un event. Oh une. Oh boss. Oh la vache. Tentacage. Le déni ce BK, exactement, ils sont ah, totalement dans le déni. C'est pas comme ça qu'on peut s'en tirer. Hein. Alors faut l'éloigner du cristal, j'imagine. Dans ta cage, on va te l'envoyer dans ta gueule. Ok, faut. Ok. Je vois pas ce qu'il faut faire, mais. Faut lui envoyer le cristal dessus. Ouais, j'ai collecté un truc apparemment. Ah oui, le cristal il le découpe en fait. Ouais, faut qu'on pète son bouclier . Ah, c'est trop bien d'utiliser le cristal pour les boss, c'est excellent l'idée. Je pense qu'il faut gérer les vagues en attendant. Hein. Ouais, parce que définitivement, je lui fais pas de dégâts. Ah, ça y est, okay. Il a de récupérer son bouclier. Il faut lui tirer dessus dans le dos, hein, évidemment. Ouais. Alors, je vois son bouclier là, il remonte. Ah non, ça y est, il descend. Oula, il a fait un gros truc là. Ah, faut se barrer de la zone. C'est bon. Okay. Il y a collecté, ouais, vas-y. Je vais réparer les tourelles, ça mange pas de pain. Ouais, ou les améliorer aussi, ça mange pas de pain. Hop. Voilà. Ok, donc c'est le. Ouais, c'est intéressant. Là, faut juste gérer les vagues, hein, pour l'instant. Ouais, je vois l'idée. Attention, le boss va revenir. Ouais. Faut attendre qu'il reste. Ouais, c'est un peu éloigné quand même avec ses trucs, avec ses phases de merde là. Attention, barrez-vous. Bon, bah, y'a plus qu'à lui envoyer le. Aïe, 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 aïe. Gère les vagues. Il est excité. Ouais, barrez-vous, ouais. Je pense que c'est la dernière phase. Hein. Oh, il va nous faire une ultime phase ultra vénère. C'est rigolo, les petits boss comme ça. Ouais, c'est ouais, sympa. Franchement, hein. ça ajoute vraiment quelque chose en plus. Quoi. Ouais, carrément. Oh non. D'accord. Ah. Ah, c'est. On a trop. T'as trop joué à Deep Rock Galactic, toi. Allez, c'est parti. Ah merde, je charge. Salut. Salut. Avec ma tourelle, c'était mort. Ouais, mais c'est bon, t'inquiète. On arrive, on l'envoie et j'arrive. Quoi? Ah, si je peux.
Non, oui, si. Si, c'est bon. C'est la on a un éclat de cristal. Tout ça pour un éclat de cristal. Eh bah putain. Il y a une arme lourde aussi là, les gars. Je sais pas si c'est lui qui la drop. Ah, Zapette. Je regarde. Zapette. Ah ouais, alors, dans l'excité, moi j'y reste pas. Voilà. Ouais, bah voilà, c'est beaucoup mieux que ma Gatling, donc je prends ça. Ouh, j'aime cet effet. Oh! Par contre, j'ai tellement plus de vie, on a tellement plus de vie tous. C'est terrible. Et qu'est-ce qu'on est censé faire? Parce qu'il me suit le cristal, mais moi je sais pas quoi te proposer, petit cristal. Si, je pense qu'il faut l'amener à la porte, ouais. Si vous avez une petite musique en latin, c'est pas bon. Victoire! Ouais! Ah, ben voilà! C'est beau! On est champion! On est champion! Eh, deuxième rythme quand même, hein! Finalement, c'est pas si dur, on a été médisants. Ouais, franchement, large quoi. Large. Eh ouais! Ça vous dit une deuxième session? Ah, bah complètement, si tu veux couper ton live là pour faire une. Bah, je vais couper la vidéo, mettre une petite pause AFK, pipi et compagnie. I'm so happy to see you back in one piece. Si vous voulez dire au revoir à la VOD, dites au revoir à la VOD. Thank you for playing through this open bisous la VOD, merci les gens sur live pour le soutien. Ciao, ciao. Et on reste en live, bien sûr.